place et elles ont mis avec eux. Et la surprise en terminant troisième. Elle manque encore de constance, mais néanmoins capable, pourquoi pas, de prendre la troisième place de cette compétition. On voit les concurrents qui vont se ranger derrière les ailes de l'autostart. 2350 mètres à parcourir. Départ dans la ligne opposée. Le drone nous donne les positions des différents protagonistes de cette épreuve. On voit qu'on doit encore serrer un peu avec les numéros 7 et 8 qui ne s'étaient pas tout près de l'autostart, mais ça n'empêche pas qu'on est très bien parti avec le numéro 2, Hero Devine, qui se retrouve tout de suite au commandement. Adol Delaray est parti un peu mieux que d'habitude. Ainoun vient maintenant s'installer au commandement. Elomis Crotant en troisième position. On est là également tout près avec le numéro 5, Gracieux Le Fol, qui précède Histoire Pia, le numéro 6. Concurrents qui sont dans le premier virage avec le numéro 4, Ainoun, qui a le meilleur, Gracieux Le Fol, Crotant à son extérieur. On est là tout de suite en troisième position côté corde avec Eros Devine, suivi par Elomis, avec également Histoire Pia à l'extérieur. On suit ensuite avec Adol Delaray, le numéro 1, alors que Del du Loir vient plus loin et que on avait perdu en début de parcours le numéro 7, Alisa de Romaz, avec les concurrents qui passent devant les tribunes. Maintenant le numéro 5, Gracieux Le Fol, ça a pris la tête et la corde. Devant le numéro 4, Ainoun. En troisième position, Eros Devine, qui précède Elomis. À l'extérieur, né au vent, le numéro 6, Histoire Pia, suivi par Guépard Génilou qui recolle. Et le numéro 1, Adol Delaray, qui vient ensuite. Concurrents qui sont dans le deuxième virage de cette épreuve. On attaque le dernier tour avec toujours au commandement le numéro 5, Gracieux Le Fol, suivi comme son nom par le numéro 4, Ainoun. En troisième position, trotte le numéro 2, Hero Devine, côté corde. On a ensuite Néo-Vorm dans le wagon 2, le numéro 6, Histoire de Pia. Elomis trotte dans la corde. Guépard Génilou suit Histoire Pia dans son rapproché. Adol Delaray étant toujours dans le wagon de la corde en cinquième position de ce peloton. Et on essaye de revenir ensuite avec Del du Loir, le numéro 9. Concurrents qui sont dans la ligne 1, opposés avec toujours le numéro 5, Gracieux Le Fol, qui a le meilleur. Deuxième position, toujours pour occuper par le numéro 4, Ainoun, qui va bien évidemment pas laisser passer le numéro 2, Hero Devine, à l'intérieur. On est là ensuite avec le numéro 6, Histoire Pia. Avec côté corde, on va retrouver Elomis, ensuite Guépard Génilou et Adol Delaray. Le peloton qui est dans le tournoi final avec toujours au commandement Gracieux Le Fol, le numéro 5, dans son dos toujours le numéro 4, Ainoun, avec à l'extérieur le numéro 6, Histoire Pia, suivi par le reste du peloton avec Hero Devine, le numéro 2, qui va tenter de se dégager maintenant. Elomis est là, tout comme Guépard Génilou et Adol Delaray, qui tente de finir à l'extérieur avec Gracieux Le Fol, qui est attaqué maintenant par Ainoun. Il y a lutte entre Ainoun et Gracieux Le Fol, les deux favoris qui guerroient actuellement pour la victoire, avec un léger avantage pour le numéro 5, Gracieux Le Fol. Mais maintenant, Ainoun essaye de venir le taquiner pour finir, mais Gracieux Le Fol repart de plus belle et s'impose dans cette épreuve. La troisième place sera prise par le numéro 2, Hero Devine, et la quatrième par le numéro 8, Guépard Génilou. Victoire donc dans cette épreuve du numéro 5, Gracieux Le Fol, drivé par André Humbert. La deuxième place pour le numéro 4, Ainoun, avec Loris Ferro. La troisième place est en prise par le 2, Hero Devine, les trois favoris aux trois premières places, suivi par le numéro 8, Guépard Génilou, qui a tracé une belle ligne droite. On revoit la phase finale de cette épreuve. Errol Adol Delaray vont s'octroyer certainement le cinquième rang de cette épreuve. On a pensé peut-être qu'à mi-ligne droite, Ainoun allait pouvoir faire une coule des plaines, c'est-à-dire venir battre le numéro 5, Gracieux Le Fol, sur le poteau, mais il n'en a rien été. Repartons de plus belle dans la phase finale. Le partenaire d'André Humbert s'impose facilement et sûrement dans cette conclusion, marquée donc par la victoire du 5 devant le 4, le 2 et le 8.